quand j'essaye de t'expliquer quelque chose, je prends mes temps. Donc, pour te laisser le temps aussi d'absorber les choses. Donc, voilà, j'ai laissé un temps, là. Je dis pas, pour te laisser le temps de les appeler à l'extérieur, comme ça tu pourras faire les trucs en même temps, comme ça tu pourras tourner, tu pourras te défaisser de faire le truc. Et donc là, tu dis, mais je n'ai pas le temps de l'ingurgiter, de le recevoir. Donc, si je suis un enfant, moi, et tu veux me faire comprendre quelque chose que je n'ai jamais entendu avant, vas-y. Životní cyklus je rozdělen do 4 morfologicky velmi odlišných stádií. Ah. Život začíná ve vajíčku. Comment? Ve vajíčku. Une deuxième fois, c'est reparti, ça jette. Ouais. Clac. Là, j'ai un petit temps. Parce qu'il faut que je cherchais un peu, la lettre. Ouais. On m'a jamais appelé manipulateur. On m'a souvent appelé magicien. Et en Australie, j'ai eu des titres qui m'ont mis un peu en colère parfois, du style le maître de l'illusion et de retour. Je sais pas si ce que j'aimerais qu'on dise de moi. Je pense que un rêveur, en tout cas, c'est peut-être le meilleur terme. Chorégraphe, mais chorégraphe, de toute façon, c'est Mary. Moi, j'avais une formation de graphiste au départ, et Mary venait du mouvement, et ça a été une formidable rencontre. Je suis à la fois un marionnettiste, manipulateur, graphiste, enfin, mais surtout rêveur, finalement. C'est un peu dommage qu'ils arrivent au moins par ici, quoi, les deux. Bon, bah alors, je vais te trouver... Tu trouves un repère. Ok, collé, et j'ouvre pour leur sortie. Ah, j'ai ça. Est-ce que ça t'intéresse, voilà, ça? Tu gardes ça, allez. Très bien. Voilà. Ça, et l'autre? Et l'autre collé. Les deux panneaux au centre. Ouais. Comme ça. Voilà. Et j'ouvre pour Pierrick. Voilà. Ici. Tac. Pour moi, le théâtre, c'est pas le lieu de la réalité ou du quotidien. On est dans un espace où il y a un public, et puis là, il y a une scène. C'est déjà artificiel. Donc, on va plonger dans cet autre espace où les choses vont surgir comme à l'intérieur d'un rêve, vont disparaître, vont s'échapper, vont revenir, vont mourir, et où jamais de comédiens vont rentrer par les côtés. Jamais ils utilisent les coulisses. J'ai mis longtemps à me demander pourquoi je ne supportais pas ces rentrées, ces sorties. Mais dans mes rêves, j'ai la même chose. Je veux dire que je ne vois jamais de personnages qui arrivent comme ça, ou qui arrivent comme ça. C'est toujours des surgissements, un visage, des choses qui s'en vont, des fuites. Et... Donc, on est un peu dans cet espace de l'inconscient. Et pour moi, c'est notre théâtre, en tout cas, c'est ça. En fait, hier, là... C'est sur la trappe. Exactement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, au moment où vous faites le grand écart, là, en l'air, là, le saut, c'est pas possible. C'est pas possible que, à ce moment-là, tu passes derrière déjà la jambe. T'es évident. Arrête de chipoter. On veut bien faire des choses extraordinaires, merveilleuses, mais pas non plus l'impossible. Ça va pas le faire. Ça va pas du tout, hein. Pourquoi je suis attaché au rêve? C'est certainement parce que dans ma jeunesse, il est arrivé un formidable bouleversement qui a fait que j'ai été plongé proche de la désintégration. Et ensuite, toute mon enfance et une partie même de mon âge adulte, je me suis retrouvé en fuite. J'avais des terreurs du style, quand mon fils allait avoir 6 ans, j'allais mourir, etc. Enfin, je traversais une ville, j'avais l'impression qu'on allait la construire, et puis quand je la quitterais, on allait la démonter. Et je sentais qu'il fallait que je cherche d'où venait tout cela. Puis ça a été une boulimie de lecture de Bettelheim, de Mélanie Klein. Et l'interprétation des rêves de Freud m'a passionné. Et j'ai décidé de faire une auto-analyse. Et il s'est passé une chose extraordinaire. Il y a un rêve qui est arrivé, je l'ai écrit et puis j'ai tenté de l'interpréter. Et je me suis retrouvé avec surtout le corps, l'urticaire. Alors j'ai cherché, puis d'autres rêves n'arrivaient pas. J'avais ce rêve qui était arrivé là, puis... le reste, c'était de la bouillie. Puis à un moment donné, je mettais le doigt sur une petite chose, pof, tout s'en allait,
Et un rêve arrivait, mais alors un pavé, mais d'une clarté étonnante, quoi. Je l'écrivais et je repartais dans à nouveau Urtiquière qui revenait, et ça durait 9 mois, comme ça. Petit à petit, le puzzle, à travers les rêves, s'est mis à se construire et se clarifier. Mon père est mort quand j'avais 6 ans. J'ai découvert que je m'étais accusé de la mort de mon père. Consciemment, je savais très bien qu'il était mort, bon, d'un accident. Mais inconsciemment, des tas d'éléments sont venus se greffer, du style ma mère me l'a caché pendant 1 an, au lieu de me dire que mon père était mort. Elle faisait certainement ça pour me protéger. Mais en fait, ça s'est inversé, puisque plus ou moins inconsciemment, l'enfant à cet âge est amoureux de sa mère, souhaite que son père ne soit plus là. On est au plein Oedipe, et donc les souhaits que j'avais pu formuler inconscients se sont réalisés. Donc je me suis accusé de la mort de mon père. Et après, ça a été une fuite éperdue. Donc la découverte du rêve et l'importance de ces images dans l'inconscient m'a fait plonger dans un espace de théâtre qui serait autour du rêve. C'est pas mal, attends. C'est pas mal quand elle vient là, que le mouvement soit un tout petit peu plus large quand tu viens la prendre là. D'accord, alors. Tu veux que moi là? Oui, viens, reviens. On vient du saut. Oui, au moment où vous arrivez sur le troisième, attendre, just a pause, et. Otherwise, it's 1, 2, 3. Nos spectacles tentent de parler, en tout cas, des premiers conflits que l'on peut avoir dans la première partie de notre vie. À ce moment-là, on n'a pas encore construit de défense, on ne maîtrise pas encore les mots. Donc, on est très fragile, et tout ce qui va nous toucher dans cette partie de l'enfance va rester imprimé à l'intérieur de nous et va modifier nos comportements tout au long de notre vie. On traite souvent dans le spectacle de l'abîme, du vertige, des peurs. Et ces peurs-là, elles sont, je pense, universelles. Par exemple, je me souviens que ma petite fille, quand elle avait 5 ans, avait des terreurs effroyables. Elle se réveillait la nuit et elle voyait des insectes. Elle était réveillée, elle continuait à voir des insectes qui montaient le long de son lit. Et cette image m'a marqué, et ça a été la, à ce moment-là qu'a surgi cet insecte. On commence par là. Voilà, oui. Oui, oui. Par contre, je voudrais voir la mer assez rapidement, ce mouvement. Mais tu veux qu'on file la scène entière. On file la scène entière, oui. Mais on va faire de toute façon des arrêts, des machins, parce que les papiers, ça marchait pas très bien hier, donc entre Nancy et. Je comprends. Ça, c'est ta dernière. Ça a été fort encore. Ça, c'est ta dernière position. Hein? Mm-hmm. Ça va prendre. Chaque fois, c'est différent. Oui, c'est... Avec la main. Oui, mais il faut que tu t'attrapes. Là, il faut que tu passes derrière. Et si tu fais ça, là, avec ton coude, c'est foutu. Qui fait la mer, alors? Nancy, ça sera un peu plus difficile pour toi. Ça va être un peu plus difficile pour toi, Nancy. Elle est là. Parce que ça va faire ça. Est-ce qu'un spectacle doit raconter une histoire? Naturellement qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent, mais c'est pas une histoire dans le sens un déroulement narratif, logique, avec une progression habituelle, quoi. Ça fonctionne plus sur des enchaînements qui correspondent plus à un mode associatif, un peu comme dans un rêve. Ce qui est important, c'est surtout de faire plonger le spectateur dans une sorte d'espace qui est proche de l'inconscient, plus que de le faire suivre un fil où il va rester passif et finalement il attend qu'on lui raconte l'histoire. Ceux qui sont plus habitués à une narration traditionnelle peut-être vont pas rentrer là-dedans, mais il y en a qui se laissent porter, et puis ensuite on est dans une sorte de voyage où chacun va finalement avoir sa propre interprétation. Parfois j'ai des spectateurs qui me disent j'ai vu
un de vos spectacles il y a quelques années, et il y a des images dont j'arrive pas à me libérer, elles sont toujours là, alors que j'ai vu des tas de spectacles entre temps, mais il y a ces images qui restent dans la tête. Ça me touche parce que j'ai l'impression que là on a touché un autre endroit à l'intérieur de la tête, hein, qui me semble plus proche du subconscient. Je croyais qu'on avait dit qu'on attendait, qu'on le prenait, qu'on le mettait. Il était déchiré. Et on ne peut pas descendre tous ensemble. Ah bon ? C'est toujours un peu alterné. Simon descend. Je fais ça. Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais bon, d'accord. Ça s'alterne un peu. Ouais. Sur Amanda, quand vous faites la gifle, là, tac, 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 ouais. Il ne se passe rien. Alors tu lui prends la main. Oui, voilà, parce que là, sinon, c'est trop dans la bousculade. Il faut que tu prends ton temps dans tous ces gifles. C'est comme le début. Ouais. Sinon, laissez-nous, le public, il faut qu'on... Il faut qu'on ait le temps de la voir, tu ça. Vois. Mais tu peux... Elle fait rien. Bon. Ah bah là, tu prends la main et tac, 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 tu fais ça, tu vois. Ouais. Mais il faut que tu aies cette pause-là, ce temps de pause-là. Philippe, il faut qu'il trouve une image. Et pas cette image, il commence à lancer son storyboard. Il n'aime jamais de dire trop à moi tout de suite. Et un jour, il dit, bon, on vient, maintenant je vois. Et là, le dialogue commence entre nous. Mais il faut laisser lui... dans son coin, c'est frustrant pour moi. Je dis, bon, ça va, je ronque à chaque fois. Non, tu rigoles pas. Parce qu'il aime que moi, je suis un peu frais quand je vois ça. Il attend pour ma réaction. Si je dis rien, il dit, bon, peut-être ça va pas. Quand on a arrêté des auditions, on trouvait qu'il y a quelques fois un danseur brillant pendant 2 heures. Et après, quand on commence le travail dans la création, quelquefois, on trouve cette personne pas tellement généreuse autour de lui, ou il n'est pas tellement inventif. On fait un mois de stage. Et dans ce mois de stage, on voit tout de suite qui a le talent, mais aussi celui-là qui est vraiment généreux autour de lui pour aider, qui a de l'humour, qui a aussi de l'imagination. Et puis après, quand on a fait notre choix, on met à côté les gens qu'on trouve intéressants. Terra incognita, terra infinita. Ouais, c'est-à-dire que dans la musique... Non mais, dans la musique, ce qu'il faudrait que vous arriviez à trouver, c'est qu'il n'y a pas de rupture en réalité. Terra, terra, infinita, emma. Et pas terra, terra, emma. Parce que là on a l'impression d'un passage hyper legato d'un truc complètement militaire. Donc long. Presque comme si vous aviez pas envie de respirer. Quand je travaille avec nos comédiens, il y a une chose que j'évite absolument, c'est de leur donner l'ensemble du déroulement. Parce que s'ils savent, déjà ils anticipent. Et ça ne m'intéresse pas qu'ils anticipent. Chaque scène, je l'ai écrite avec un certain nombre de possibilités. Et en même temps, je fais un storyboard. Donc j'ai des images. En fait, la pensée et l'écriture en images est intéressante dans la mesure où elle me permet d'éviter le grand supermarché des clichés. En ce sens que l'image m'oblige à penser autrement. Je vais donner un thème aux comédiens, aux danseurs, et on va travailler pendant 3 séances, pas plus. Hein. On se donne la liberté totale. Ces comédiens vont, avec leurs propres ressources, s'emparer du thème, y résister, mais parfois vont me proposer des pistes qui s'en éloignent. Ça va m'obliger, moi, à réécrire. Bon, c'est douloureux, parce qu'on a écrit quelque chose, et puis il faut parfois le mettre à la poubelle, mais en même temps, il y a d'autres territoires qui apparaissent, c'est ça qui est passionnant. C'est d'être à l'écoute de cet ailleurs et de venir dans son sens. Alors à ce moment-là, si t'es là, tu sors ta lettre, peut-être, tac, tu te tournes, ta flèche, elle est dans quel sens? Bon, tu tournes. Ah, c'est par là, ok, tu pars. Tac, 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 tac. Il y a le panneau qui arrive à ce moment-là. Bon, toi, tu ne le vois pas, le panneau. Tac, tu te tournes, tac. À ce moment-là, tu regardes ta montre. Beaucoup de temps, je pense.
Bon, alors, prends la lettre. Il est déjà là, la Pierrick? Il est aussi au centre? Pierrick, il arrive assez centre. La fin des terres vient de l'endroit où Mary et moi nous habitons, c'est-à-dire le Finistère, fini les terres. Et en breton, on dit Penarbet. C'est presque plus intéressant en breton parce que ça veut dire la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Cette fin de terre, c'est beaucoup lié avec une femme et un homme. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont à nous dans cet univers. Je pense que ce spectacle nous parle de la tentative de rencontre de cet homme et de cette femme. Cette femme étant prise un peu dans ses enfermements, lui tente de rentrer à l'intérieur de son univers et se fait happer dans cet univers, hein, et devient une sorte de personnage qui passe dans son espace à elle. Et cette fin où les personnages s'en vont, on ne sait pas très bien vers quoi ils vont, mais ils vont vers un autre chose, quoi. Donc c'est cette dimension de fin des terres qui m'intéressait dans ce titre. Pendant l'ouverture des frises, c'est-à-dire à l'ouverture du train, et là on a le temps. T'as Jardin et Cour de la P3 qui vont à Jardin en laissant une ouverture entre eux. Et quand la main se relève, tu fermes tout pour qu'on place le ventilo et que je monte sur le plateau. Bah c'est peut-être ça qu'ils vont faire alors. C'est pas belle. Alors attends, là je suis en position. Tu es en position à la fin du train. Après ça. Tu peux? Non, tu préfères que j'y aille. Oui, je préfère que tu ailles. D'accord. Bah, la première scène de la fin des terres, pour moi, il était important qu'elle introduise presque un ensemble des éléments que l'on va suivre après. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de personnage qui est une sorte de personnage destin qui vient presque pour amener ses illusions. C'est-à-dire que tout ça n'est qu'illusion. Il amène les silhouettes. Il amène le plastique, il amène la main, il amène la lettre et il amène les personnages. Et à la fin, ce personnage du destin démonte ce qu'il a mis en place. Hein. Il replie tout. Seulement, il y a deux choses qui lui échappent. Cet homme et cette femme qu'il avait mis en place.
pour arriver à ce que on soit dans un déroulement qui est proche du rêve, hein. C'est vrai que je fais appel à des changements qui se passent sur scène et que le spectateur est lui-même étonné de voir. Ce moment-là m'intéresse parce que ça amène le spectateur à plonger dans un ailleurs. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, là tout est possible, le ciel peut me tomber sur la tête, mais tout est possible, je veux dire. Et donc, il s'ouvre et il ouvre cette petite porte sur l'inconscient. C'est pour ça que l'illusion, ça m'intéresse dans la mesure où elle sert le propos.